Pour ou contre l'homosexualité? Je sais pas si je suis pour ou contre, mais tout ce que je sais, c'est que je les aime quand ils sont loin de moi, en fait. Bienvenue, monsieur, dames, dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Et le thème d'aujourd'hui, nous allons parler de l'homosexualité. On en pense quoi? Vous êtes pour ou contre? Qu'avez-vous envie de dire aux homosexuels? Lâchez-vous dans ce commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. D'ici là, portez-vous bien. Salut. Hello. Bonjour. Ils sont loin de toi. Ouais. C'est-à-dire que t'es contre. Là, c'est clair. On peut dire ça, mais ceux qui sont homo, c'est leur problème. Moi, tant que ça n'empiète pas sur ma vie, il n'y a pas de problème. Fais ce que tu as envie de faire. Avez-vous un message pour les homosexuels? Ah, franchement, j'ai pas de message pour eux. S'ils voient Beyoncé à la télé, ils préfèrent Jay-Z, c'est leur problème. Moi, c'est Beyoncé, mon truc. Mais quand même. Si eux, c'est Jay-Z, c'est leur problème. Bonjour. Le mec, il a des beaux yeux, hein, apparemment. Ça, si tu l'as dit. Ah ouais, tu me passes ton snap ou pas? J'ai pas de snap. Oh là là. Non, un numéro, t'as un numéro? Ah oui. Bah, tu peux me les passer alors. Pourquoi? Bah j'aime bien, t'as des beaux yeux. Non. Ah non, je rigole. Alors, beau gosse, bien ou quoi? Bien, ça va, tranquillement. Ouais, super. Alors le thème, pour ou contre l'homosexualité? Ah, je sais. Genre en fait, les gays, ça me dérange pas, mais les lesbiennes, ça me dérange. Ah ouais? Ouais, j'aime pas. Bah moi, je pense que chacun devrait penser ce qu'il veut et surtout... Non, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Libre de faire ce qu'il veut, donc... ouais, moi, je suis pour. Hein. Et toi? Tu es pour ou contre l'homosexualité? C'est chacun sa vie. Chacun fait sa vie. Ah, moi, je m'en fous. Tu t'en fous? Moi, c'est ça, chacun sa vie. Alors, je suis contre, ouais. Mais pourquoi contre? Parce que c'est pas dans la religion, tout ça, c'est pas bien, tout ça. Non, par rapport à ta conviction et tout... Pour moi, personnellement, moi... Mmh. Franchement, moi j'aime les femmes, donc voir des hommes avec des hommes, ça passe mal. Hein. Mm-hmm. Puis voilà, c'est tout, ça s'arrête à là. Hein. Ouais, et toi? Contre. Contre, carrément. Ouais. Et pourquoi contre? Ah ben... Parce que pour moi, c'est pas possible. C'était la nature des choses a été faite de telle sorte que l'homme et la femme soient créés pour ça. Genre, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Le créateur, il a mis un homme, il a mis une femme. S'il voulait, il aurait voulu, il aurait créé des hommes. Et une dernière, qu'avez-vous envie de dire à tous les homosexuels ou un homosexuel qui vous regarde? Non, moi je leur dis rien. Enfin, je vais pas faire le haineux ou quoi, laisse-les, mais je calcule pas. Non, positivement vie. Aussi, un message positif. Moi je calcule pas, c'est tout. Ils font leur vie, je fais ma vie tranquille. Et toi? Moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'ils ouvrent les yeux, quoi. Qu'ils ouvrent les yeux? Ouais, qu'ils ouvrent les yeux, quoi. Mais comment? Mais dans le sens où... C'est logique, ils ouvrent les yeux, gros. Chacun fait sa vie. Non, c'est pour ça que je dis, ils ouvrent les yeux, chacun fait sa vie, mais il faut voir ce que tu fais. Voilà. Après, je juge pas, je condamne pas, mais parce que je suis pas là pour ça, mais je dis qu'ils ouvrent les yeux. Alors bonjour. Bonjour. Du rouge, vous aimez bien apparemment. Oui, c'est ma couleur, oui. Ah ouais? Couleur ouais. Préférée, quoi. Oui. Ah, moi également. Alors, l'homosexualité, vous êtes pour ou contre? Ça me dérange pas. Je le suis pas, mais ça me dérange pas. Et est-ce que vous avez un message à faire passer aux homosexuels? J'ai pas de message particulier. J'ai rien qui vient en tête. Après, je pense qu'on est dans un pays libre. Parce qu'il y a libre. Certains qui n'ont... Ouais, on est dans un pays libre et je pense qu'il devrait pas y avoir de mépris vis-à-vis d'eux, et je pense qu'eux, ils ne devraient pas se retenir de faire ce qu'ils ont envie de faire, en fait. D'accord. Et l'homosexualité dans la religion, vous en pensez quoi? Dans la religion? Ouais. Ça, c'est un autre débat. Je pense que... Enfin, je veux dire, comme chaque pays a ses règles, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, même malgré... Il y a des pays où ils ne sont pas libres, donc ces personnes-là partent, justement, de ça. Ces pays qui ne sont pas libres et dont ces personnes quittent justement ce pays, c'est comme une religion en soi. Donc je pense que l'homosexualité avec la religion, ça ne matche pas. Parce que justement, il y a des choses qui sont dites et faites depuis des siècles et on ne peut pas changer ça. Pour ou contre l'homosexualité? Moi, perso, je suis contre. T'es contre? Ouais. Et pourquoi contre? Bah, je sais pas, c'est comme ça. Mais chacun libre de faire son choix et tout, pourquoi contre? Bah, c'est mon avis, voilà.
Donc si vous avez un enfant et il est homosexuel, vous le... Je serais contre. Contre. Ouais. Contre lui. Ouais. Il sera dehors. Je sais pas s'il sera dehors, mais je serais contre. Vous en pensez quoi de l'homosexualité? Enfin, il n'y a pas à penser en fait. C'est juste, c'est pas de pour ou contre, c'est comme ça, c'est tout. Franchement, qu'ils vivent leur vie. Hein. Tant que ça me gêne pas, c'est bon. J'étais pas trop pour ça parce que t'as vu, moi je viens de citer, c'est-à-dire j'étais homophobe un peu. Mais vas-y, après, j'ai connu des gens gays, c'est-à-dire en vrai, c'est leur dos. Il y en a, ils sont gentils quand même malgré ça, c'est-à-dire en vrai, il n'y a rien. Tu vois voilà. Ce que je veux dire ou pas? Donc t'es pour ou contre? Je veux pas dire je suis pour, mais après, s'il y en a, ils sont ça, c'est leur dos, t'as vu? Voilà. Ouais, ouais, qu'avez-vous envie de dire aux homosexuels? Vous regardez la caméra. Yachi, hein, fais ta vie. Et toi, qu'est-ce que t'as envie à dire aux homosexuels? Franchement, merci les gars, vous nous laissez plus de meufs, c'est carré. Oh, j'étais pas prêt! T'es sûr? La tête. C'est carré, ouais. Ça vous dérangerait pas, un jour vous êtes avec un mec et vous apprenez qu'il est homosexuel aussi, dit l'autre. Est-ce que ça va changer ma vie? Non. Non, du tout. Il fait sa vie, il fait ce qu'il veut. Il est comme ça, enfin, c'est pas. Non, il n'y a pas. Et si vous apprenez un jour votre enfant est homosexuel, comment vous allez le prendre? Je vais bien le prendre. Enfin, c'est sa vie, moi je veux juste qu'il soit heureux. C'est tout. Et que serait votre réaction si vous apprenez qu'un jour un membre de ta famille devient homosexuel ou il est homosexuel? Mais avant, tu ignorais. Je sais pas, je pense que je l'accepterai, ouais. Tant qu'il est heureux, c'est ça le plus important pour moi, c'est que la personne elle soit heureuse. Et un dernier message à un homosexuel qui te regarde. Vive l'amour et choisissez la personne que vous voulez, quoi. Voilà. Voilà. Vive l'amour, choisissez la personne que vous voulez. Un très bon message, je te remercie. Mais je t'en prie. Franchement, j'ai pas d'avis. Pour moi, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Si t'aimes les hommes, t'aimes les hommes. Si t'aimes les femmes, t'aimes les femmes. Ça change rien à ma vie, donc je m'en fiche un peu. Ah ouais, ça là, mon gars, tu connais, c'est chaud, hein. Moi, je suis contre. Tu es contre? Ouais. Et pourquoi? Parce que c'est comme ça. J'aime pas des gays, en fait. Chacun libre de faire son choix aussi, hein. Ouais, mais surtout, moi, j'aime pas. Et si un jour vous apprenez que votre fille ou fils devient homosexuel, comment vous allez réagir? Je vais l'accompagner, le comprendre, je sais pas, je vais pas lui faire un drame pour ça, quoi. Tu regardes la caméra, qu'avez-vous envie de dire aux homosexuels? Mon gars, partez à l'église surtout, tu vois. Faut beaucoup prier parce que ça, c'est un truc satanique, mon gars. De motivation, continue comme ça, vis ta vie et sois heureux, quoi. C'est tout. D'accord. Et en éclairage, voilà. Restez comme vous êtes, c'est tout. Et écoutez pas les gens. N'écoutez pas les gens, en tout cas, je vous remercie. De rien. Ah, moi, je sais pas quoi leur dire. Hein. Les femmes, c'est un délire pour les hommes. C'est-à-dire les gros seins, regardez bien, parce que je crois que vous avez mal vu. Mais même les bonnes fesses là, ça c'est carré. Faut vraiment qu'on vous emmène des putes. Mais bon, si vous aimez les hommes, les bengalas durs, c'est votre lot, voilà, tu vois. Et est-ce que tu as un message à faire passer aux homosexuels? Moi je leur rappelle qu'ils arrêtent de faire ça, c'est tout. Faire quoi? Ce qu'ils font. C'est tout. Ouais. Vivez votre vie et faites pas attention parce que quoi qu'ils fassent, il y aura toujours des gens pour cracher, donc à quoi bon? À quoi bon, en tout cas je vous remercie. Ouais. Une dernière question. Oui. Vous avez des enfants? Non. Alors, plus tard, vous en aurez, Inch'Allah. Vous avez un fils ou une fille et vous apprenez qu'il est homosexuel. Comment vous allez le prendre? Honnêtement, moi, je suis religieuse, donc dans ma famille, peut-être que je n'accepterai pas vis-à-vis de mes convictions à moi, mais comme je vous ai dit, si c'est des personnes autour de moi, ça me dérange pas, et j'ai même des amis, et ça me dérange pas du tout. Après, parce que justement, quand je vois par exemple mon frère ou autre, comme je l'ai connu comme ça depuis le début, et si un jour il m'apprend qu'il est homosexuel, je le rejetterai pas, mais ça me fera bizarre. D'accord. De savoir ça. Voilà. En tout cas, je vous remercie. De rien.